commence par le repérage. Ça nous permet d'observer la faune, d'être dans son intimité et de se rendre compte de l'état des populations. On essaye d'observer en dérangeant le moins possible. Allez, pas de couper. Le repérage, c'est au moins 50% du temps passé en montagne. On apprend beaucoup sur ces animaux en passant du temps à les regarder, sur leur comportement, leurs habitudes et leur façon de s'adapter à des conditions parfois difficiles. C'est un animal qui nous impressionne par sa capacité à vivre dans des conditions extrêmes. On va aussi essayer de repérer les chamois que l'on veut prélever pendant la saison de chasse. On va rechercher et s'attarder sur les trophées atypiques, mais surtout les vieux chamois. Et on va éviter au maximum de tirer des chamois en pleine force de l'âge. La difficulté va être de les retrouver et les suivre en attendant le bon moment. Les gros chamois, on les voit souvent apparaître et disparaître comme des fantômes.
et on n'est jamais sûr de retomber dessus. Il y en a d'autres qu'on va revoir régulièrement, comme Corne Cassée, qu'on a retrouvé 3 hivers de suite sur le même secteur. Pour moi, c'est au moment du repérage que les rêves naissent, avec toutes les images qu'on a en tête. On va pouvoir se fixer des objectifs pour la saison qui arrive. On est satisfait quand on arrive à retrouver un animal en particulier pendant la saison de chasse. Ce que j'aime aussi dans la chasse du chamois, c'est le côté physique. C'est une chasse plutôt exigeante. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte pour tirer en montagne. Il y a le temps, la distance, l'angle de tir. Je pense qu'il est mort quelque part par là. Faut ensuite pouvoir récupérer l'animal. Encore vraiment un beau vieux chameau. C'est un animal qui se mérite. Moi, ce que j'aime dans cette chasse que je pratique depuis tout petit, c'est de partager des journées en montagne avec mes amis, à la recherche des vieux boucs. C'est un peu ce rêve du chamois d'une vie et le dépassement de soi qui me pousse à aller les chercher toujours plus loin. Thank you.
genre. Regarde, ses cornes cassées. Lui, il a plus de 10 ans, c'est sûr. Regardez la distance. 27 mètres.
C'est pas l'approche la plus dure qu'on ait eu à faire, ni le plus beau de nos trophées, mais ce chamois, il a une histoire. Les trophées sont là pour nous rappeler cette aventure en attendant la prochaine.